Salut à tous, c'est Kuzari et bienvenue sur Giant Simulator. On va essayer de devenir le plus grand des guerriers. Pour l'instant, on est loin de l'être, on est le plus petit. Allez, on gagne de l'XP en frappant dans le vide. Oh, lui, il a l'air énorme là. Ok, on a monté d'un niveau. Ok, on fait la taille d'un brin d'herbe. Ok. On va voir ce que c'est le petit coquillage là. Apparemment, on les a sur le côté. Allez, on gagne 2 par 2 plus 5 pièces. Ok. Ça nous a fait gagner du speed aussi. On va essayer d'en ramasser un peu plus. Et bientôt au level suivant. Allez, plus grand chose. Parfait, on est level 2. Hop. Oh, on peut marcher sur l'eau. Ok. Alors, comment ça se présente? Est-ce qu'on a... Ok, il y a des matchs d'arène. Bon, pour l'instant, on va éviter. Ok. Il y a des pets, apparemment. Oh, il a rétréci. Il a même disparu. Ok. Continue comme ça. Ok, elle a gagné 300 d'or. Alors ici, sur le côté, on va aller voir notre inventaire aussi. Ok, ça c'est fait. On a quoi? On peut upgrade notre arme, ok. On a des skins qu'on peut upgrade aussi. Et on peut ouvrir des coffres. Ok, c'est là où on obtient nos armures. On va prendre un coffre commun. C'est combien? 2500. Ah. C'est le même prix les deux? Ah non, on en a un de chaque. Ok. Allez. Ouh, stylé. Stylé. Et ça, notre arme. Ah, sympathique. Belle petite arme. Ce sera toujours mieux que notre bâton. Ah oui. Beaucoup mieux. Allez. On l'équipe. Équipé maintenant. Celle-là en avant. Yes. On a 745. Le skin. Ah oui, c'est trois fois mieux. Allez, on l'équipe. Lui, on le vend aussi. Ok. Ça, c'est 5000. Ça, c'est 2500, 2500, 5000 et 10 000. Ouh, on est balèze. On est balèze déjà. Allez, on continue. On va taper un peu. Ah oui, ça va plus vite. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? On peut sûrement recueillir d'autres choses. Là, c'est quoi ça? Ok. C'est les Roblux. Ok. 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 Ici. Les Rebirths. Il faut 40 cœurs pour faire un Rebirth. Ok. Ici. C'est les pets. Ok. On doit avoir un endroit pour les acheter. Et ici. Des artefacts. Ok. Bon. Allez. On continue. Allez, on va monter d'un nouveau niveau. Parfait. Ok, ça. À chaque niveau, on obtient une nouvelle caisse. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ouh, sympathique cette hache. Ok. Allez, level 3. Elle nous donne plus d'XP et elle a plus de force. Ok. On va se l'équiper. Hop. Et on vend celle-là. Ok, et on peut les augmenter. On va regarder ça. Ok, c'est juste en puissance que ça augmente. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'XP et l'or, ainsi que la vitesse de déplacement. Plus on se déplacera vite, plus on pourra récupérer ces petits coquillages. Allez, on va monter d'un nouveau niveau ensemble. Et, oula, il est immense. Ça y est, c'est fait. Nouveau niveau, qu'est-ce qu'on a? Encore une arme, ok. Ouh, sympathique, celle-là, la faillite. Elle est un peu plus rapide. Elle est plus rapide, ouais. Du coup, on va revendre celle-là. Hop. Au début, je suis pas sûr que ça vaut le coup, hein, les upgrades. Ah oui. Elle est un peu plus rapide. Elle vous fait gagner beaucoup plus vite.
des points. On a une sorte de bouclier devant, là. On va essayer de le ramasser, voir ce que ça donne. Allez, on y est. Golden Ace Collection. Ça fait quoi, ça? On a un point d'interrogation là. Ok. Il n'en a rien. Coffre, on n'a rien. Épette, on n'a rien. Ok. Je sais pas. Allez. On arrive près d'une ville. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Allez. Ouh, on accélère. Ok. Ici, c'est une zone sans danger. On a des pets, on a des portails. Il y a aussi des coquillages à ramasser ici. On va aller voir. D'abord, les petits portails. Du coup, on a plusieurs mondes différents. Ok. Ouh, on ira voir ça. Ok, activate Borok. 1500, c'est quoi ça? Je sais pas, on verra les portails un peu plus tard, on continue à faire le tour. Allez, on va monter d'un nouveau niveau. Allez, c'est parti. Parfait. Alors, on va avoir plusieurs items à débloquer, je vais monter de quelques niveaux. Ok, on en a trois comme ça à ouvrir. Ok, ok. Ouh, Gothic Gargoyle. Sympathique. Ouh, Overlord. Ça a l'air pas mal, ça. Ah ouais. Ah oui, rien à voir. Ah oui. Ah, pourquoi? On va voir le level 8. Ok, ben pour l'instant, on va prendre celui-là. Et on va regarder le dernier coffre. Ouh, lui aussi, il est pas mal. Et je pense qu'il fait un peu moins que les autres. Hein. Ouais, c'est ça, il est un peu moins bien. Mais on va déjà regarder celui-là. Oh, il manque de la texture, là, non? Ah. Il est sympathique. Il est sympathique, ouais. Il nous donne 7 d'XP, celui-là. Ok. Et lui... Hop. Oh, il est sympa aussi. Hein. 9. On gagne quand même 2 XP de plus. Oh, j'avais pas vu la queue non plus. Ok. Du coup, ici, on a les pets. Donc, 1 million. 125 000. Et il faut 5 000 pour le prochain. 5 000, ok. Alors, on va déjà monter au niveau 8. Et puis après, on va essayer de monter à 5 000. Ah, il y a un autre œuf là-bas. Voir ce que ça donne. Le million, on n'y est pas encore. Hein. Ok. Collection quest. Ok. On n'a pas. Please go visit. Ok, the cave, start a new quest. Ok, on peut lancer des quests. Des quests, j'allais dire des quêtes. Il faudrait qu'on voit où c'est. Ah, ici, il y a aussi des choses là. Ok, on peut avoir des armes dans les coffres. Ok, là, il y en a encore un. Du coup, ça va nous dire pareil. Ok, ok. C'est le classement. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la ville. Il y a peut-être deux trois endroits à visiter pour aller faire la quest. On verra après. On va déjà monter à 5000 et acheter notre premier pet et changer de skin aussi. Ah, regardez, j'ai peut-être trouvé celui qui donne des quêtes. Ok, il veut qu'on collecte, c'est ça? Ouais, ça y est. On va pouvoir collecter notre premier œuf. On sait qu'il est quelque part par là. Voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça fait du coup? Hop. Ah, il nous donne 200 de gold, 4300 d'expérience et 12 points de quête. Ouh, du coup, on est niveau 9. 9, on va pouvoir s'équiper. Ouh, stylé avec tous ses yeux. Il est. Ah ouais, 19 d'XP maintenant on gagne. 19. Allez, on a débloqué quoi d'autre sinon? Une arme. Allez, on va essayer de prendre l'arme. Hop. C'est parti.
sympathique. Je sais pas si elle vaut mieux que la nôtre, on verra après. Et là, ouh, un petit général. Il est sympathique aussi, mais je pense qu'il est moins fort que celui qu'on a. Pas largement. On va voir ce qu'il donne quand même. Hein, on l'a débloqué. Il est stylé. Il est pas mal, il est bien fait. Je trouve super. Allez, on va remettre notre petit skin. Hop. Et l'arme. Oh, si, elle est mieux quand même. En dégâts, c'est tout. Et on va garder celle-là parce qu'elle est plus rapide pour fermer d'XP. Et on gagne 19 d'XP du coup. Ok. Du coup, il veut. On n'a pas regardé la nouvelle quête. Il nous l'a pas donnée. Hein. Non. Ok. Kill Borok un time. Je sais pas ce que c'est. Peut-être dans l'un de ces portails. Alors on verra après. On n'a toujours pas eu nos 5000. Prochain objectif, les 5000. Bon, les amis, j'ai trouvé Borok. Il était dans une petite salle. Hop, oh, ça me l'a pas compté. Si, ça me l'a compté. Oh, on a eu un nouvel item du coup. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce skin? Il est moins bien. Ok, du coup, il était dans le portail où c'était marqué Borok. J'étais voir par curiosité, c'était bien là. Du coup, on va valider la petite quête. On n'a toujours pas les 5000, donc j'espère que ça va nous donner un peu plus de thunes. 300, ok. Et 6000 d'XP, parfait ça. On les donne, 6000? Ah. Allez. Du coup, on doit avoir deux coffres à ouvrir. Oui, c'est parfait. Ouh, il est parfait. Il est sympathique celui-là. Il est sympathique. Ah, petite guerrière comme ça. Je pense qu'on a eu le meilleur hein, quand même. Ah ouais, on a eu quelque chose de pas trop mal. Après, qu'est-ce qu'il veut? Faut qu'on rejoigne une arène. Donc là, ok, on va rejoindre l'arène ensemble. On va voir ce que ça donne. Allez, allez. Ah, ça y est, on est dans l'arène. Ah, il m'a défoncé en même temps. Hein. Je suis qu'au niveau 10. Hein. Allez. Ouh, ça nous fait revenir là. Faut qu'on fasse le chemin. Ah oui, on a grandi. Hein. On faisait la taille de l'herbe. Enfin, on était même plus petit que l'herbe. Ah oui, on a bien grandi. Ah ouais, ça fait du bien ça. Allez, on se rejoint dans la ville. Allez, c'est parti, on va valider la quête. Hop. Ok, 450 gold, 10 000 d'XP. Ça vaut le coup au final de faire les quêtes. Vaut mieux d'abord faire les quêtes. Avant de faire autre chose. Ça nous aide à monter. C'est pas trop mal. Ouh, Brutality. Elle a l'air sympa celle-là. Ah oui, 93, 1,7 et 17 d'XP. Et il nous manque un niveau. Allez, il nous manque pas grand-chose. Voilà. Comme ça, on peut ouvrir un nouveau coffre. On va se l'équiper d'abord. Allez. Non? Tu veux pas? Ah. Équiper. Et on peut les vendre, hein, celle-là, du coup. Vendre. Vendre. Et on va bientôt pouvoir prendre un pet. Ah, ok. Encore un skin. Ok, c'est le skin du début. Ok. Level 14, par contre. Oh! Level 14. Pas si nul que ça. Hein. Allez, on vend ça. Et on va pouvoir se prendre un petit pet. Du coup, ils étaient par ici, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, 5000. Voyons voir ce qu'on va avoir. Plymouth. C'est lequel, c'est lui? 15%. Oh, bah ça va. Ça va pour le premier pet. Qu'est-ce qu'il donne du coup? 1,18, 1,18. Ok. Toujours ça, hein? Ok. On gagne 39 d'XP par coup maintenant. Ça monte assez vite. On n'a pas été prendre la quête. On va aller choper cette quête. Nous voilà proche de la quête. Voilà. Ah, on doit tuer 5 gnomes. Donc j'imagine que c'est dans l'un des portails là-bas. Allez, c'est parti. On va aller voir. Donc là, c'est le boss. Ici, j'y étais. Je vais vous montrer.
On a un autre boss. Je sais pas si on peut le battre. On va essayer ensemble. Oui, il a presque plus de vie. Bon, autant la battre. Hein. Il fait que dalle. Ok. Il ne reste pas grand chose. Hein. Ah, ça bug un peu là. Allez, 80 coups. Allez, parfait. Il reste 5 coups. Allez, on va y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Ok, juste la gloire. Ok, ok. Du coup, ici, il y a une zone pour acheter encore des pets là-haut, un peu plus cher. Et là. Et là, on peut récupérer des cœurs. Du coup, pour l'instant, c'est pas notre mission. Nous, ce qui nous importe, c'est de tuer des gnomes. Il est où le portail déjà? Le portail, où te caches-tu? Il se cache. Ah là, là derrière. Allez. Alors, du coup, on a fait lui, lui. On va essayer lui. Ah, ils sont là, les petits gnomes. On doit en tuer combien? Non, j'ai pas envie d'entrer un code. On doit en tuer 5. Ok. On est level 14 aussi. Il nous en manque plus que 2 à tuer. Ça nous donne plus d'XP hein, de les tuer. Alors on va en tuer quelques-uns quand même. Pour le fait de monter un peu plus vite. Allez, allez, allez. Montrez-vous. Ah, en voilà un. Oh, tu triches, toi, tu coupes. Ah, on a notre skin qui a encore monté le level. Du coup, on gagne plus d'XP par coup. Allez, montrez-vous. Ah. Voilà, du coup, on peut fermer un peu l'XP ici. Et sinon, on va aller valider la quête maintenant. Allez, on est parti. On va valider cette quête. Je lui donne 120 gold et 7000 d'XP. Du coup, on va monter le level. Allez, parfait. On va prendre la quête. Faut qu'on le tue 2 fois. Ok. Du coup, ici, on a débloqué quoi? Un de chaque. Ok, on a encore eu le commun. Ok, on peut encore taper derrière. Allez, ouvre-toi. Et une petite hache classique. Ouais, elle n'est pas exceptionnelle. On va la vendre. On va vendre tous ces skins aussi. Bon, allez, on va les garder, ceux-là, ils sont sympathiques. Du coup, on doit le tuer 2 fois. Allez, c'est parti. On y va. Nous voilà dans l'antre. Bon, ici, je pense que c'est voilà, du Roblox. Nous voilà dans l'antre de Roblox. Allez, où te caches-tu? Tu es là. Alors, on lui fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, lui, il nous en fait un peu. Ouh, oui. On va taper un peu dans le vide. On va attendre de retrouver un peu de vie. Allez, on va le retaper. Oh, ça va être long de le taper comme ça. On va pas lui faire plus de dégâts. À le faire tourner comme ça. Aïe. Ah oui, mais là... C'est un peu limite quand même. Là, tout à l'heure, on était 2 avec un joueur, mais là... Allez, je m'éloigne un peu. Continue à taper. Ah, pour faire des rebirths pour faire plus de dommages. Ok. Eh ben, écoutez. On va essayer de voir ça, parce que là, on a pour 1 heure à le taper. Du coup, c'est parti pour les fermer des petits cœurs. Allez, le temps de gagner les petits cœurs qui nous manquent. On va regarder ce que j'ai débloqué. Donc, 3 armes. Désolation. Ok. Oh, Valkyrie. Petite H Valkyrie. Et une brutalité. Alors, quelle est la mieux des deux? Ah bah. Ouh, elle est mieux que la mienne, celle-là, du coup. Vu qu'elle est plus haut. Ok. Bon, on va reprendre la nouvelle brutality. Ah, je peux pas m'en équiper. Je suis pas au niveau.
Ok. Ça, on va le vendre. Et on a les 40 pour le rebirth. Alors, le rebirth, on l'avait vu où? C'est ici, non? Non. Ici. Ok, non, rien à voir. Ça nous fait gagner des. J'ai fermé ça. Enfin, on va pas dire pour rien. Ok. Pour 1000K, on peut débloquer ça. Et ça nous donne 25 d'XP en plus. Ok. Là, si je fais un rebirth, j'en gagne 360 de plus de cœur. Et ça nous donne quoi à part ça, les cœurs? Il faut level 100 pour le rebirth. Ok. Du coup, on a fermé ça. Fermé quelques petits cœurs. Il suffit d'attendre un dans le cercle. De laisser son personnage dessus si vous voulez. Et ça vient ici. On a des petits corps, du coup. Donc, à plusieurs millions. Donc on en est loin encore. Là-bas, on en a d'autres. Ah là, ici, on peut dépenser nos points de quête. Donc c'est pas mal d'en faire, je pense, parce que ça nous donne des items. Donc ça a l'air pas trop trop mal. Et du coup, là-bas, comme je vous avais dit, le petit boss, qui est assez long à tuer, vu qu'il faut faire des rebirths pour toucher plus. Et là, il nous reste la dernière petite zone que je vous ai pas montrée, qui nous permet de dépenser nos coquillages. Et ici, il y a une zone, je ne sais pas encore à quoi elle sert. Cette petite zone, elle nous permet de gagner des coquillages. Ok, il nous suffit de rester dans la zone et on gagne 4 par 4 des coquillages. Ok, et eh bien écoutez, pour cette petite présentation, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. A plus!